Avec les prévisions météo, on peut savoir quel temps il fera le soir, le lendemain ou dans la semaine. Quand il y a un grand soleil sur la carte, il fera chaud sur la région. Quand la météo indique un soleil avec des nuages, il y aura peu de soleil et il y aura souvent du vent. Le temps sera gris. S'il y a des nuages avec de la pluie sur la carte, c'est qu'il va pleuvoir et qu'il y a des risques de tempête ou de grêle. Si de la pluie tombe alors qu'il y a du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc en ciel. Quand il y a des nuages avec de la neige qui tombe, c'est qu'il va neiger et qu'il peut y avoir du brouillard, des risques de congélation, de la glace et que la température sera très basse. Lorsqu'il y a un éclair avec des nuages et de la pluie, il risque d'y avoir de la foudre et du tonnerre. Avec les prévisions météo, on peut savoir quel temps il fera le soir, le lendemain ou dans la semaine. Quand il y a un grand soleil sur la carte, il fera chaud sur la région. Quand la météo indique un soleil avec des nuages, il y aura peu de soleil et il y aura souvent du vent. Le temps sera gris. S'il y a des nuages avec de la pluie sur la carte, c'est qu'il va pleuvoir et qu'il y a des risques de tempête ou de grêle. Si de la pluie tombe alors qu'il y a du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc-en-ciel. Quand il y a des nuages avec de la neige qui tombe, c'est qu'il va neiger et qu'il peut y avoir du brouillard, des risques de congélation, de la glace et que la température sera très basse. Lorsqu'il y a un éclair avec des nuages et de la pluie, il risque d'y avoir de la foudre et du tonnerre. Avec les prévisions météo, on peut savoir quel temps il fera le soir, le lendemain ou dans la semaine. Quand il y a un grand soleil sur la carte, il fera chaud sur la région. Quand la météo indique un soleil avec des nuages, il y aura peu de soleil et il y aura souvent du vent. Le temps sera gris. S'il y a des nuages avec de la pluie sur la carte, c'est qu'il va pleuvoir et qu'il y a des risques de tempête ou de grêle. Si de la pluie tombe alors qu'il y a du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc en ciel. Quand il y a des nuages avec de la neige qui tombe, c'est qu'il va neiger et qu'il peut y avoir du brouillard, des risques de congélation, de la glace et que la température sera très basse. Lorsqu'il y a un éclair avec des nuages et de la pluie, il risque d'y avoir de la foudre et du tonnerre. Avec les prévisions météo, on peut savoir quel temps il fera le soir, le lendemain ou dans la semaine. Quand il y a un grand soleil sur la carte, il fera chaud sur la région. Quand la météo indique un soleil avec des nuages, il y aura peu de soleil et il y aura souvent du vent. Le temps sera gris. S'il y a des nuages avec de la pluie sur la carte, c'est qu'il va pleuvoir et qu'il y a des risques de tempête ou de grêle. Si de la pluie tombe alors qu'il y a du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc-en-ciel. Quand il y a des nuages avec de la neige qui tombe, c'est qu'il va neiger et qu'il peut y avoir du brouillard, des risques de congélation, de la glace et que la température sera très basse. Lorsqu'il y a un éclair avec des nuages et de la pluie, il risque d'y avoir de la foudre et du tonnerre. Avec les prévisions météo, on peut savoir quel temps il fera le soir, le lendemain ou dans la semaine, quand il y a un grand soleil sur la carte. Il fera chaud sur la région. Quand la météo indique un soleil avec des nuages, il y aura peu de soleil et il y aura souvent du vent. Le temps sera gris. S'il y a des nuages avec de la pluie sur la carte, c'est qu'il va pleuvoir et qu'il y a des risques de tempête ou de grêle. Si de la pluie tombe alors qu'il y a du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc en ciel. Quand il y a des nuages avec de la neige qui tombe, c'est qu'il va neiger et qu'il peut y avoir du brouillard des risques de congélation, de la glace et que la température sera très basse. Lorsqu'il y a un éclair avec des nuages et de la pluie, il risque d'y avoir de la foudre et du tonnerre.